pagimi lufase chukwabu Nzambi ya munu Luzobe ya ngekele nene Na beto bantu ya masumu papa Betangisa kamenga ngeyantalu na yala ntangamani Samu chumunu mkuhuka papa Oh luzobe ya nene nene na beto bantu ya masumu Ika nkumbu ya ngeku kendosa papa Thank you.
plutôt parce que je t'ai rencontré. Toi, le créateur de toutes choses, qui est nul, voici tu vois. Oh, yeah.
Il avait dit 12h30. Il a dit qu'on est arrivé à 12h30. Mais comme vous l'aurez le mercredi, hein, les poissons après, ils sont marchés, ils sont bien dégagés. Thank you.
à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, la mort est un événement toujours douloureux qui nous fait très mal. Il est très difficile de se séparer d'une personne qui nous a été chère. Mais en tant qu'hommes et femmes de foi, nous avons l'espérance que notre frère Jérôme Batelana est en train de vivre son passage de cette vie à celle de Dieu, pour nous préparer dignement à ses funérailles ecclésiastiques. Reconnaissons-nous d'abord pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 3, puis 24 à 26. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai eu l'occasion, surtout vers la fin du mois d'octobre et même avant, de dialoguer, de converser, même par SMS sur WhatsApp, avec Jérôme. Chaque fois revenait dans ses messages, il faut me soutenir par la prière. Les médecins ont trouvé ceci. Ils s'y penchent. Père curé, soutiens-moi dans la prière. Et quand je répondais, merci de ton accord. Je pense que le seul message à retenir vis-à-vis de celui qui nous a été cher et qui s'en va, c'est le message de la prière qui l'a guidé d'ailleurs pendant de nombreuses années, très nombreuses années, dans la chorale Notre-Dame du Rosaire. Un groupe qu'il a beaucoup aimé et pour lequel il ne tolérait pas qu'il y ait problème. Ils se battaient pour ça. Leur président qui est là à ma droite se souvient un jour, j'ai dû les appeler tous. Eux, lui aussi était là du groupe dans mon bureau pour qu'on trouve une solution à leur jubilé qui pointait à l'horizon et que lui semblait voir un peu abandonné. On n'en parlait pas selon lui, on n'en faisait pas assez. Parce que guidé par l'amour de son groupe, et je pense que c'est le message que nous devrions retenir, celui de l'engagement qu'il faudrait tenir jusqu'au bout. Lorsqu'on a accepté de faire quelque chose, il faudrait y aller jusqu'au bout. Et toujours avec la grâce de Dieu. Dans sa maladie, il n'a pas oublié le sens de la prière. À nous aussi donc, en ce temps de Noël, d'implorer la grâce de l'enfant Jésus pour qu'il entre dans son paradis et qu'il puisse jouir de la gloire céleste.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Jérôme, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour Jérôme, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notre frère s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dont la foi est l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force, qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux, qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Oui, je me lève. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Je me confie en toi. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jusqu'au paradis que les anges te conduisent, en ton arrivée que les martyrs te reçoivent et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir, et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre frère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Jérôme Batelana de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance et la résurrection, que notre frère Jérôme repose dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ah!
Thank you.
Salut, Julio.